Bonjour. Le tableau ci-dessous regroupe les différents objets de la géométrie plane, leur représentation et leur notation. Un point est représenté par une croix et on le note par une lettre en majuscule. Par exemple, la lettre A. Le point est l'endroit exact où les deux traits de la croix se coupent. Une droite est représentée par une ligne droite. On la représente par D, entre parenthèses. Une droite qui passe par deux points A et B, on la note par AB, entre parenthèses. La droite AB est la ligne droite qui passe par les points A et B. Une droite est illimitée de chaque côté. Un segment représenté par une partie de la droite limitée par deux points. Ici, le segment AB noté par AB entre deux crochets. La partie de la droite AB limitée par deux points A et B s'appelle le segment AB d'extrémité les points A et B. Une demi-droite représentée par une ligne droite limitée d'un côté. Ici, la demi-droite d'origine A qui contient le point B. On la note par AB entre crochets et parenthèses. Côté crochet, c'est l'origine de la demi-droite et côté parenthèse, c'est le côté qui n'est pas limité. La partie de la droite AB limitée par le point A s'appelle la demi-droite AB d'origine A. Lorsque trois points ou plus appartiennent à la même droite, on dit que ces points sont alignés. Exemple, ici, les points A, B et C sont alignés car tous ces trois points sont sur une même droite. Pour indiquer qu'un point appartient ou n'appartient pas à une droite, une demi-droite ou un segment, on utilise les symboles appartient, ce symbole-là, et n'appartient pas, ce symbole-là. B appartient à la droite AC, car B est sur la droite AC, comme vous le constatez. C n'appartient pas à la demi-droite d'origine B et qui contient A. Donc, C est ici. Il n'est pas sur la demi-droite d'origine B et qui contient A. A n'appartient pas à la demi-droite d'origine B et qui contient C. A appartient à la demi-droite d'origine C et qui contient B. Ma vidéo touche à sa fin, alors à la prochaine vidéo. Au revoir.